Ouais, confirme-moi si le volume est bon. Hein. Maintenant que je partage. Partager, hein, partager le direct. Il y a une urgence. Alors donc, partager le direct. Oui, la situation, oui, comment tu vas, Belinga? Non, la situation change là. Donc, partager, j'attends que les gens se connectent. Pendant que moi aussi je partage ici. Oui, partager, partager. Carlos, comment tu vas? Partager le direct. Hein. Gassan, comment tu vas? Vas-y, comment tu vas? Nous on est là, on a partagé, partagé. Partagé le direct. Eh bien, couleur, tu auras le temps de voir. Comment tu me poses la question de savoir que quoi l'objet de ce direct? Tu auras le temps de savoir tout de suite là. Donne-moi 5 minutes, le temps que je partage. Tu sais que la situation au Cameroun, on doit. J'ai une information très importante à partager avec vous aujourd'hui. Donc, que je viens d'avoir et je tenais à partager avec vous. Bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez la connexion. Youssouf, comment tu vas? Andy, comment tu vas? Pierre, comment tu vas? Bonjour mon frère, comment tu vas?
Oh non, il y a beaucoup de choses. Les choses évoluent maintenant, il y a beaucoup de choses maintenant. Ah, Smile, comment tu vas? Oh voilà, mon neveu, Molly Alain, comment tu vas du côté de Washington DC? Merci beaucoup, Justine. Aimon, comment tu vas? J'attends que les gens se connectent. Et puis, je ne vais pas très long aujourd'hui parce que... La situation, l'information est très très importante et donc, comme j'avais dit, je vous avais promis hier que je vais updater. Brice Fosso, comment tu vas? Jules, bonjour Jules, comment tu vas? Ok, je sais que tu es posté, Brice. Je donne-moi encore 2 minutes là. Je vais commencer tout de suite, même dans 2 minutes. Parce que je suis en train de connecter des informations là. Si j'avais su. On va écouter ça un peu et puis good morning à Idrin. Elia, comment tu vas? Merci beaucoup, mon live. C'est très important. Ouais, merci beaucoup. Connectez-vous, hein, Elia, Ali, comment tu vas? Merci beaucoup, Béni Amogu. Partagez, hein, partagez, parce que l'information est très très importante. C'est pour ça que... Oh, Bono, comment tu vas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, Basile, mon frère du village. Oui, salut, 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 ici c'est le Grand Prince Joya. Alors voilà, l'information que j'ai reçue tout à l'heure, ça fait quoi, 1 heure de temps que j'ai reçu l'information, qui est très important. Alors il se pourrait que il y a je vous lis ça tout de suite, hein, je veux pas... Il se pourrait que il y a des personnalités à étudier
qui vont partir en exil. Il y a en ce moment précis un avion à étudier, enfin je vais dire un hélicoptère. Ces personnalités ont demandé déjà l'asile politique. Je ne sais pas si c'est en France ou quelque part, je ne sais pas, mais là donc voilà la situation. Mais comme je vous avais dit hier, l'armée ne va pas tirer sur les camionneurs. Je vous ai dit ça hier. Donc je tiens encore à vous confirmer encore de plus que l'armée ne va pas tirer sur les Camerounais. Donc puis je tiens aussi ici encore à vous confirmer que la peur a changé de camp. Et l'information que je reçois, il y a à ce moment précis 5000 gendarmes à Douala. Mais personne n'a le droit de tirer. Ils n'ont pas le droit de tirer. On les a retiré les armes. On ne peut pas tirer sur les Camerounais. Donc la situation est tellement grave. Si tu es un Camerounais, s'ils essayent de tuer un Camerounais. Donc voilà, c'est une nouvelle très importante pour nous autres de la diaspora. Donc quand j'ai une information de ce genre, après, je vais vous donner, ça veut dire que j'attends confirmation parce qu'on m'a déjà donné le nom de personnalités de premier plan au Cameroun qui vont partir, j'ai déjà le nom, mais je vais attendre la confirmation parce que vous savez, il y a un problème de crédibilité, tu ne peux pas donner le nom des gens qui après on te dit que non, c'est pas ça. Donc j'attends qu'on me confirme si le nom que j'ai là, effectivement, est-ce que c'est ces personnes-là qui sont dans la liste de ceux qui vont partir en exil. Donc ça bouge du côté de la présidence. Et je vous dis, et je confirme déjà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Selon mes informateurs, les personnalités de la présidence sont en train de faire les valises, comme on dit. Alors, j'ai le nom. Je ne peux pas vous donner. Parce que j'attends confirmation peut-être dans une heure ou dans deux heures. Mais aujourd'hui. Et alors, je peux encore vous confirmer aujourd'hui que, vu le service, enfin, les informations reçues par, bon, je ne vais pas vous dire où donner l'Institut, on nous parlait de 300 à 400 000 personnes qui vont défiler à Yaoundé demain. Ça, c'est l'information que j'ai reçue tout à l'heure. Bon, maintenant, vous savez, nous, la diaspora, on nous donne des informations. Nous avons des gens sur place qui nous donnent des informations. Et des gens crédibles, et on vérifie les informations, et on partage avec vous. Voilà ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire ce direct. Parce que je vous avais promis hier, je vous ai dit hier, que l'armée ne va pas tirer sur le peuple camerounais. Voilà, ça a été confirmé aujourd'hui. Et je vous avais aussi dit hier que le président Maurice Kamto va défiler le jour dit, c'est-à-dire que le 22 à Yaoundé, accompagné des autres, que je n'ai pas envie de vous donner le nom. Accompagné des autres hommes politiques. Et il y a les membres de SDF, de Ninjon Fundi, qui vont aussi défiler demain à Yaoundé, dans tout l'étendue du Cameroun. Bon, je peux déjà vous donner d'emblée les statistiques qu'on m'a donné, hein, mais je prends au conditionnel. Bon, voilà. On me parle. L'information reçue par les services indépendants au Cameroun et en Europe et aux États-Unis, on me parle à l'ouest du Cameroun, on me parle de 1 million de personnes qui vont sortir à l'ouest du Cameroun. Et on me parle de 900 000 personnes dans le littoral, c'est-à-dire que littoral, Mongo, Penja et autres, Douala et autres. Et on me parle de 300 à 400 000 personnes, je ne sais pas, parce que c'est pas, pour Yaoundé, ce n'est pas encore confirmé qu'il y aura au moins 4 points. Donc on me parle de 400 000 personnes à Yaoundé pour défiler demain. Donc, et comme le gouvernement s'est rendu compte de l'ampleur,
peuple qui ont pris le dessin, enfin, qui vont prendre le dessin en main, alors il a ordonné à tous les militaires, à tous les policiers du Cameroun de ne pas tirer sur les Camerounais. Et je peux vous dire d'autres informations que je reçois aussi, que au jour d'aujourd'hui, depuis quelques jours, les commissaires de police ont reçu des Prado neufs avec le nouveau training enfin, comprenez, bon, on peut comprendre que juste pour essayer de faire ce qu'on a envie de faire pour plaire. D'autres informations, le Grand Nord, on me parle de 150 000 personnes qui vont défiler demain. Ça c'est l'information des services que je ne vais pas vous donner le nom, que j'ai reçu. Bon, déjà c'est le Grand Nord. Dans le Nozo, on me parle de 1 million de personnes qui vont défiler dans le Nozo. 1 million de personnes, c'est quand même beaucoup, hein, dans le Nozo. En Ngaoundéré, on me parle de 75 000 personnes qui vont défiler en Ngaoundéré. Enfin, je peux vous dire déjà que d'emblée, si ces chiffres qu'on me donne, ça se confirme demain, il faut toujours prendre des choses du Cameroun au conditionnel, hein, parce qu'avec l'histoire du Cameroun, on n'est jamais sûr. Alors donc, il faut toujours prendre au conditionnel. Mais ça, ce sont des informations des gens crédibles sur place. Et c'est pour ça que le gouvernement s'est rendu compte que, avec tout ce monde-là, eh ben, il y aura une guerre civile s'ils essayent de tuer un Camerounais. Et c'est pour ça que je vous ai annoncé hier qu'ils ne vont pas tirer sur le Cameroun, ils ne vont pas tuer sur le Cameroun. C'est vrai, ils vont envoyer, comme ils ont fait à Yaoundé en ce moment, ils vont envoyer la gaz, enfin, le gaz et tout ça pour essayer de disperser les gens et tout. Mais je vous dis qu'il y aura au moins 400 000 personnes à Yaoundé. Le problème, c'est quoi? C'est que l'information que moi j'ai, il se pourrait que il y a une majorité de membres du gouvernement, que je ne vais pas vous donner le nom, et que je pourrais vous donner le nom peut-être ce soir, qui sont confirmés que si cette chiffre que je vous donne là est confirmée, eh bien, ils vont se rallier à Kamto demain. Ils vont se rallier à Kamto. Et je dis encore une fois de plus que la situation, non seulement c'est trop grave, mais je peux déjà vous dire que on ne va pas, le président, quand on ne va pas céder, bon, je peux déjà vous donner des informations. Le gouvernement hier, certains membres de certaines hautes personnalités hier ont essayé de contacter la coalition de Maurice Kamto. Et ils ont demandé au président Maurice Kamto, enfin à sa coalition, de repousser la date de demain pour qu'on négocie. Alors moi, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Alors ils vous demandent de repousser la date. Et là maintenant, si demain aujourd'hui là, le président Kamto sort, il dit que non, il va pas repousser la date. Et du coup, il sera plus crédible aux yeux des Camerounais. Et je peux déjà vous dire, selon l'information que moi j'ai, je peux déjà vous dire que le président Maurice Kamto va parler aujourd'hui à la nation camerounaise. Il y aura une vidéo dans 3 heures de temps. De toute façon, avant la fin de la journée, avant la fin de ce soir. Nous sommes le matin ici. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que quand j'ai une information très importante, je partage avec vous, vu la situation qui sévit en ce moment, donc chez nous au Cameroun. Alors, je suis en train de voir encore, on est en train de m'envoyer des informations aussi concernant d'autres endroits. Je suis en train de voir que le Noun, dans le pays Bamoun, ne va pas défiler. C'est plutôt bizarre, mais ils ne vont pas défiler parce que le parti d'opposition de là-bas n'a pas trouvé opportun, n'est-ce pas, de se rallier et marcher. Donc, ils ne sont pas intéressés. Donc, le Noun ne va pas marcher. Mais je vous dis,
déjà que dans tout l'Ouest, il y aura, je dis bien tout l'Ouest, hein, Bafoussam, Banganté, parce que je peux pas, bon, j'ai la liste de différentes localités, mais je mets ça ensemble, ça va faire presque 1 million de personnes qui vont sortir demain dans tout l'Ouest. C'est plutôt dommage que le nous ne manifeste pas. Alors maintenant, des autres localités, on verra. Vous savez, je vous dis, pas que demain que vous dites que moi, le prince a dit que machin et tout, et on n'a pas, c'est pas ce qu'on a vu. Je vous dis que ça, c'est des informations qui m'ont été données par des gens crédibles sur place et par les gens, même les membres, certains membres du gouvernement, mais et qui m'ont demandé de ne pas donner le nom. Et pourquoi? Parce que c'est pour ça que quand ils ont eu toute information, c'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre pour qu'on ne tire pas sur le Camerounais, parce qu'ils savent que si tire sur le Camerounais, demain, il y aura un bain de sang. Je peux déjà vous donner l'information que le président Maurice Kamto, je ne suis pas son porte-parole, je ne parle pas son nom, mais je vous donne juste l'information que moi j'ai, que je reçois et je partage avec vous. Alors, je peux déjà vous dire que le président Maurice Kamto, non seulement va parler ce soir, il va parler aujourd'hui au peuple camerounais et à la diaspora, il va faire une vidéo. Bon, on ne sait pas où il est, mais je peux vous confirmer que le jour dit, il sera là, avec les autres. Et la coalition a prévu que si demain il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire que s'il y a des tueries, il y a des machines et tout ça là, des gens qu'on va arrêter et tout ça là, la coalition a prévu plus de 300 avocats dans tout l'étendue du territoire du Cameroun pour défendre tous les Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais ambassés, c'est-à-dire qu'arrêtés et mis en prison. Il y a plus de 300 avocats qui sont, comme on dit en anglais, stand-by. Et d'autres informations que je vais vous donner, le président. Attends. Bon. La coalition. Vous savez, je lis parce que je parle avec vous, je lis en même temps. La coalition a déjà préparé les avocats pour la Cour pénale internationale. Ce que c'est déjà. Les avocats sont là, ils sont déjà arrivés au Cameroun. Ils sont déjà arrivés au Cameroun pour la Cour pénale internationale au cas où les Camerounais sont tués. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que, au jour d'aujourd'hui, les choses vont vite. Et alors, je confirme encore une fois de plus qu'il y a l'avion en ce moment, qui est arrivé en ce moment à la présence, pas l'avion, je veux dire, l'hélicoptère, pour évacuer des personnalités, que j'ai le nom, mais je vais vous donner parce que je suis en train de confirmer, je suis en train de vérifier pourquoi on me confirme tout la liste que j'ai, et puis je vous confirme après. Donc, la situation, les choses bougent en ce moment. Et je peux vous dire, bon, vous savez, il y a des gens qui vont essayer de dire n'importe quoi, mais voilà ce qui va se passer. Donc, à Douala, je confirme encore une fois de plus qu'à Douala seulement, dans le littoral, le gouvernement a déployé 5000 gendarmes. 5000 gendarmes qui ont déployé à Douala. Mais ils n'ont pas le droit de tirer sur les peuples camerounais. Donc ça, je veux que ça soit clair. Vous savez, mon combat, c'était que je voulais que le gouvernement négocie avec les Camerounais. Et le gouvernement est venu essayer de négocier à la dernière minute. Alors donc, le président, la coalition de Maurice Kamto a refusé de négocier. Donc, il est trop tard. Il dit qu'il est trop tard, il ne peut plus négocier. Vous savez, depuis pratiquement plus d'une semaine, j'interpelle le gouvernement qu'il négocie, qu'il essaie de trouver une solution pour, n'est-ce pas, régler le problème. Vous savez, on peut avoir des différences, mais on peut dialoguer aussi, on peut parler. Mais pourquoi le gouvernement refuse de parler avec les Camerounais? C'est ce que j'ai dit il y a quelques jours. Bon, maintenant, aujourd'hui, ils ont pris conscience de l'ampleur des Camerounais qui vont sortir. Alors, je vous confirme aussi aujourd'hui que le commissaire
des Douala, il y a enfin un peu partout, ont eu, on les a donné avant-hier de Prado Neuf. Alors maintenant, j'ai eu pour rigoler un peu, certains amis commissaires au Cameroun, ils m'ont dit, ben non, nous on aimerait que quand tu sors tout le jour, hein, parce que comme ça on peut avoir quelque chose. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et ils ont eu beaucoup de trucs, tout ça là. Et ils sont en ce moment précis, je dis bien en ce moment précis, dans tous les carrefours, partout à Douala et à Yaoundé et bien entendu à l'ouest. Et je peux aussi vous confirmer une information. Vous vous souvenez du gars qu'on avait, qu'un gendarme avait tué, abattu à Bafoussam? Eh bien, le gendarme en question, enfin, c'était une femme. Donc, aujourd'hui, on est en train de vouloir. Vous savez comment ça se passe au Cameroun? Donc, on a réouvert encore l'enquête. Et l'enquête, maintenant, va suivre son cours. Les ministres, je veux dire, les membres de gouvernement des différentes régions du Cameroun sont partis dans leurs villages respectifs pour essayer de corrompre les gens qui n'ont pas sorti. À savoir, je peux déjà donner quelques indications. Il y a le nord, il y a le sud, là c'est évident que les gens du sud ne sortent pas. Il y a l'ouest, je vois ici Nombusi. Dans le Bamboutos, je crois, qui essaie de corrompre les gens pour que les gens ne sortent pas. Donc il y a beaucoup de gens, de membres du gouvernement, parce qu'il y a panique générale à Yaoundé. Le gouvernement panique. À ce où je vous parle, il panique sérieusement. Donc, c'est que j'ai comme information, j'essaie de partager avec vous au fur et à mesure que je reçois, et quand c'est crédible. Et bien, mais pour la liste de ceux qu'on est en train de vouloir évacuer de la présidence en ce moment précis, eh bien, j'ai la liste, mais je n'ai pas encore la confirmation. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que peut-être que si... ça veut dire que si, par exemple, les Camerounais viennent, c'est-à-dire que pour envahir le palais, eh bien, ils vont... Enfin, ils sont en train de prendre leur... ils sont en train de... d'emballer le dossier, leurs affaires et tout, et ils attendent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà de hautes personnalités camerounais à la présidence qui ont demandé l'asile politique. Ça, je peux vous confirmer ça. Mais j'attends qu'on me confirme le nom de ces personnalités qui ont déjà demandé l'asile politique. Ils attendent pour voir. Alors, je ne sais pas si c'est le président lui-même ou bien ce sont ces machines et tout, mais le nom qu'on m'a donné, je ne peux pas vous donner ça maintenant parce que je n'ai pas encore la confirmation. Vous savez, quand je reçois une information, je vérifie. Et quand c'est confirmé, je partage avec vous. C'est un problème de crédibilité parce que je sais que vous m'aimez beaucoup. Vous aimez souvent quand je vous donne l'information. Donc, je ne peux pas vous donner l'information erronée. Donc, voilà la situation qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Les militaires, les gendarmes, les policiers ne peuvent pas tirer, ça c'est l'ordre qui vient des généraux, ne peuvent pas tirer sur les Camerounais demain. Donc la situation, non seulement va se préciser peut-être d'ici ce soir, et qu'on aura davantage de noms, des personnalités que je viens de citer, mais je peux déjà vous confirmer un nom ici, que Mbagangele, c'est pas lui qui va partir, hein. Mbagangele, il a facilité, ça c'est une façon, parce que je parle avec vous, on envoie des messages, Mbagangele a facilité l'hélicoptère par ses réseaux, ça c'est une façon que je m'envoyer. Donc vous savez, je n'ai pas envie de vous donner une information erronée, mais je peux déjà vous donner et confirmer qu'il n'y aura pas bain de sang au Cameroun, contrairement à ceux qui croyaient qu'on va tuer les Camerounais. Et je peux aussi vous dire, attendez, je suis en train de recevoir. Oui, voilà, il y a déjà. Bon, là, on est en train de me donner une information là. Il y a déjà des personnalités qui ont demandé l'asile en France.
ça je l'ai là, mais je vous donne pas le nom parce que je suis en train de vérifier pour confirmer l'information. Donc la situation est grave. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères, je crois que je refuse d'être pessimiste. Je préfère rester, comme on dit. J'espère que Maurice Kamto va faire l'histoire du Cameroun. Nous, on espère. Mais comme vous savez, le problème du Cameroun, c'est un pays bizarre. Les gens préfèrent parler de la Côte d'Ivoire, les problèmes de Gbagbo avec le Ouattara, machin et tout, mais ils refusent de parler de problèmes du Cameroun. Le Cameroun nous intéresse. C'est pour ça que je me focalise beaucoup plus sur le problème du Cameroun. Et comme je vous ai dit, bon voilà, je suis en train de voir quelque chose là. On est en train de m'envoyer un nom que je peux déjà vous dire, mais je vous parle au conditionnel. Hein, parce que je ne suis pas. Je n'ai pas. Il faut que je vérifie, mais j'ai peur de donner un nom. Et qu'après, ce n'est pas ça. Donc je crois que je vais refaire un direct tout à l'heure. Parce que on est en train de me donner déjà le nom des personnalités. Et il y a déjà des confirmations de nom des personnalités. Donc j'attends encore. Parce que je peux refaire. Aujourd'hui là, today not today, on va faire le direct jusqu'à 4 demain, on va jusqu'à je sais pas quelle heure, parce que je reçois au fur et à mesure les informations. On est en train de me donner le nom de cette personnalité et c'est des gens très très importants à la présidence. Je ne peux pas vous donner ça maintenant parce que je dois vérifier. Et on est en train de confirmer, mais je ne vais pas vous donner ça parce que je vais d'abord voir si c'est que le nom peut lancer tout. Mais ce que je veux dire, la personne qui a facilité l'hélicoptère, c'est M. Barangele. Ça, c'est que c'est lui qui a facilité ça. Mais ce n'est pas lui qui va partir. Parce que son nom n'est pas là. Ce n'est pas lui. Donc, c'est pas seulement, je vous dis son nom, seulement le nom de celui qui a facilité l'hélicoptère pour que ça tire à la présidence. Alors, il y a beaucoup de noms. Bon, tantôt on parle du président sortant, qui est en train de préparer pour partir. Tantôt, on parle de ses collaborateurs directs. J'ai tout ça là, mais je ne peux pas vous donner ça maintenant. Donc, restez à l'écoute, et puis je vous reviens ce soir. Parce que ce soir-là, aujourd'hui jusqu'à demain, là, on ne dort pas. On est ensemble. Je vous aime. Vous êtes mon jardin d'amour. Soyez sujet. Et comme je vous ai dit, demain, le présent élu, enfin, le présent Maurice Kamto sera bien à Yaoundé. Je ne vous dis pas où. C'est pour me discuter. Je ne vous dis pas où. Bon. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont essayé de vouloir, ils voulaient négocier. Mais non, ils n'ont pas pu. Le président a refusé de négocier avec. Donc, les choses se précisent. Déjà, je suis content qu'on ne va pas tuer les Camerounais. Vous savez, ma mission était que j'essayais, je suppliais le Cameroun, le mouvement Camerounais, le président qui parle avec les Camerounais, pour supplier. C'est-à-dire que pourquoi on ne tue pas les Camerounais? Je suis là, sûrement là, content. C'est vrai qu'on va arrêter beaucoup de Camerounais. Et je vous dis que il y a plus de 300 avocats dans le tendu du Cameroun, du territoire du Cameroun, que le donc je vous donne les informations à compte-goutte parce que je ne suis pas autorisé à donner certaines informations. C'est-à-dire que quand je reçois des informations que je tiens à partager avec vous, je préfère vous donner ça quand on me donne l'autorisation de donner. Et là, ces informations que je vous donne là, on m'a autorisé de partager ça avec vous. Je vous vois ici, vous êtes tellement nombreux pour suivre le prince. Bon, je vous reviens peut-être ce soir, mais on est ensemble jusqu'à la gare. Je vous aime, à très bientôt.